sel du coup. Ouais, du sel. Stop avec le sel, arrête. Faut les décongeler avant de les cuisiner, les steaks. Hein. Ça va être dégueulasse. Je vais m'énerver là. Hein. Nicolo en PLS face à cette recette de pâtes. Comme tout Italien qui se respecte, Nicolo a totalement pété un câble en voyant la recette de pâtes, ou plutôt le carnage culinaire de la TikTokeuse Awabel. On vous laisse découvrir le carnage. Alibaba, tu vas pas cuisiner les pâtes là-dedans par contre. Ce truc, je pense qu'il a vu 400 milliards de conflits internationaux et mondiaux. Hein. Je suis sûr que t'es parti en guerre avec ça. Hein. Il a abîmé. Ensuite, on va rajouter les oignons frais avec des tomates frais. De l'huile. L'huile est étonnante. Elle met jamais l'huile. Des oignons, mais les pâtes alors, tu le fais où? Elle est où la casserole avec l'eau? Je vais mettre des tomates frais, mais c'est bon. Oignons. Donc, je mets du sel du coup. Ouais, du sel. Stop avec le sel, arrête. Le cube. Les steaks hachés, c'est quoi le rapport avec les pâtes? En plus, ils sont congelés. Faut les décongeler avant de les cuisiner, les steaks, hein. Ça va être dégueulasse. Là, je mets du poivre. Du poivre? Mais tu fais des steaks hachés, tu fais pas de pâtes. C'est quoi le rapport avec l'Italie, ça? C'est l'Amérique. Tu vas faire des burgers? Ensuite, je mets du cul. Du cul? Elle va mettre du cul? J'ai pas compris. Ah, du cube. J'ai eu peur. Mais le cube, c'est quoi? Il y a quoi dedans dans le cube? C'est quoi? On dirait du zafferano, mais c'est pas du zafferano. Et ensuite, je vais mettre de la sauce tomate. On appelle pas ça de la sauce tomate. Ce vieux truc en carton avec de ce liquide rouge, c'est pas de la sauce tomate. Hein. Purée de. C'est de la purée de tomate déjà. Il faut la cuire avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais m'énerver là. Hein. De faire que pour moi. Ouais, donc, que pour toi parce que personne va le manger de toute façon. Hein. Mais t'auras des problèmes à l'estomac, à Wabel. C'est pas possible de manger toutes ces ordures là. De l'ail, des oignons, de l'ail, la laine, tu vas tuer une armée entière. Hein. Non, mais elle a mis quoi en, de l'origan aussi, j'ai pas vu. Et maintenant, on laisse cuire un petit peu. Un petit peu. Spaghetti. Ça, c'est du vrai spaghetti italien. Ouais, j'ai pas vu la marque, heureusement. Des manières de. Voilà. N'oubliez pas ce qu'il vous a appris auparavant. Mais il faut les mettre dans l'eau, hein. Moi, franchement, je vous invite. Alors, on coupe les pâtes. Non, non, attends, déjà, tu coupes les pâtes, c'est un énorme sacrilège. C'est prison directe en Italie. En plus, tu les jettes crues dans la sauce. Non. Ah, je peux pas, ça me dérange de voir ça. Je peux pas voir ça. Mais comment tu penses qu'ils vont cuire comme ça avec un doigt de sauce? C'est l'eau du piment. Ok, j'ai compris comment elle va les cuire. C'est quoi ce truc? Il y a le steak dedans, l'eau, la sauce, la purée de tomates, les oignons. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? On dirait le liquide de la vaisselle quand tu laves tes assiettes sales. On va laisser cuire. Non, mais... Du coup, là, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre dedans la pâte. Oh là là. Voilà les Italiens. Des œufs en plus. La bonne patos. Patos, oui, patos, pas pâte.